nasepeli d'abord na lobi merci mingi na mama na biso oyambi biso pona kopesa biso tole na naloba na baba na mboka na bamambre na biso ya IDPS banso sika bazali surtout na Kinshasa awa ete na famille nyonso ba difficulté zanga kate soki difficulté zali sengeli ezala traité na kati ya famille yango na toli oyo mama na biso apesi biso kolanda pe na ndenge mokonzi ya mboka alingi kimia ezala oyo ezalaki prévu ezala samedi oyo eza koya na balandi na biso banso bakombatant nyonso ya IDPS bayeba ke ekosala masusu te tosengi mutu na mutu atikala na ndako avake na baaktivité na ye normal tokozela ti mokonzi ya mboka akozonga autorité de France na biso tolanda toli nyonso oyo akopesa biso baorientation nyonso akopesa biso bongo tokende liboso tobosana te ke 2028 eza koya eza mosika te esengeli tosala elongo dans l'union lokola parti na biso babengi yango UDPS lokola union yango nde sigila liboso tozala uni autour ya mokonzi ya mboka tokende liboso na sepeli merci mingi na mama na biso mama Marthe Kasalu Tshisekedi na ndenge asangisi biso na pokwa lelo po tomeka kosolola na bakombatant nyonso na bakombatante ke mokolo ya samedi le 7 kombatant moko aya te ke nazoya mpona koriposte na bandeko balobaki bakoya na permanence famille nyonso bamakambo ezangaka te me toza na référence na biso moko tata mokonzi ya ekolo epuis tokosenga bolimbisi koprésente ba excuse epa tata mokonzi ya ekolo na epa mama na biso mama Marthe Kasalu na mai nyonso oyo euti koleka puisque comportement na biso wana eza kofrustre mama na biso eza kofrustre mokonzi ya mboka puisque biso o role toifo tojouer eza ya kosala baproposition ya paix mpona koaccompagne politique ya mokonzi ya ekolo yango nakosenga bacombatante na bacombatant nyonso mutu ata moko te ezala na bareseaux sociaux message moko ya incitation ou bien ya provocation ezala te oyo ayebi ke aza derrière le secrétaire général akomanifeste yango te na bapropos ya provocation nakosenga bato nyonso bavanda kimia ntango mokonzi akozonga mokonzi mpe aza na kati ya mboka te aza libanda biso tobatela pouvoir ya biso nakanisi message oyo naya kopesa bino na monoko ya lingala yango wana Je viens d'atterrir et croyez-moi, je règle cet appel dans deux semaines maximum. J'ai alerté, tous se sont constitués contre moi. Voilà les résultats. Ça, c'est un sabotage des actions du chef de l'État et ça ne se passera pas comme ça. Chaque semaine, les magistrats envoient des détenus à Makata sans tenir compte de la capacité des cantonnements de ceux. Et ça, c'est injuste. Vous venez ici, vous faites sortir des gens clandestinement. Ça, c'est un acte de sabotage, c'est pas de l'évasion. De toutes les fois où moi j'ai désengorgé, ils ont envoyé les doubles. C'est depuis que j'ai commencé, combien de détenus ont été envoyés ici, après le désengorgement. C'est là qu'on saura l'acte de sabotage d'où elle est partie. Et on va sérieusement sanctionner.
Merci, monsieur le journaliste. Comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet. Et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature en la personne du procureur général près la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008/CAB/ME/MINE/JS 2024 du 2 septembre 2024 signée par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'état de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur de la magistrature et tous les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie. Dans ton moment, tu as dit que Fatinde Moutouazo Tinda Kabouya a kende ko sala ba désordre wana ou bien Eza Kabouya est moko pour Fatia za beaucoup occupé na marambo mboka tozo e bali susute. Mais au moins, un pas est franchi. Ils comprennent que la force extérieure est à partir d'Azali Makasi. Le nouveau secrétaire général Azali légal. Il faut Azwa fonctionne à elle le plus vite possible parce que le parti
ezali na besoin ya ko s'organiser pour les élections qui viennent en 2028. Toza na makambo ebele, faut ko sala, il faut ko retoucher constitution na makambo ebele. Il faut ko ta la vie à ba congolais, il faut ko changer, ko mettre en application ba makambo ebele. Il faut que tous les ministres soient poussés bango ba travailler le ko la mutanda. Il faut to banda ko bima na nzela pour exiger la bonne gouvernance, parce que le président de la République ne peut pas travailler seul. Bango biloko ba ko sala ezali lokola ba guerre à intérêt moko boye. Kabuya ne voit que ce qu'il a. Kabuya ne veut plus lâcher parce qu'il a goûté na sucre. Si vous comprenez très bien Moutoua Boye, ceux qui l'élo commissaire président de la République, Boye ba déjà votre avenir. Moutoua Boye un jour a postulé a commis président to baby. Parce que tala Moutoua Boye c'est que mandat est sili. Ba to ba tchakio ba longolo, il ne veut pas quitter. Il ne veut pas. À salir ma matinée politique pour n'avoir l'obaké non bah y'a tout rose la bango tout ça la légitime défense. Donc il vous dit ouvertement que ceux qui boyent tous rose la bino tout rebunda. Donc il est capable de faire bilor à taper perdre la zara ça la refinancer par coulou nana par machette couper ça par tu minduki pour que ceux qui le parti légitime baye pour n'avoir s'installer bah bundi ça bango il y aura mort d'homme et nion soana. Aya koluka moyen lokola la yebani na ba généraux na ba magistrat oyo mutandazo azo bundisa akende kufunda bakanga sosu ba combattant ndenge kilimbali mbakangisa ki ba combattant ba condamné 17 combattants à mort pona Olive Lembe. Donc dans ce contexte nous comprenons que les choses vont bon train. Ton Dimitri Voana, le président de la République, va rentrer aujourd'hui je crois, parce qu'il y aura match à cause de la stade et pas na biso, il y a match na biso, il y a qualification pour la CAN 2025. Il sera au stade à Kozonga. Je crois que d'ici ce week-end, Makambunyon Sowana et Kosila. Le président va hausser le ton. Alors, Kabuya a ko step down pour la bonne marche de notre parti qui est l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Etienne Tshisekedi Wamulumba. Un deuxième point que j'allais discuter avec vous, c'est un point sur lequel on a parlé hier. C'est un point qui concerne la guerre qui est déclenchée entre le Conseil supérieur de la magistrature et Constant Mutamba. À peine revenu à Kinshasa, il est allé se rendre compte à la prison, la situation où il y a des prisonniers, où il y a des vadagi. Nous comprenons bien que Congo est dans un contexte est très compliqué. Na minute oyo, Fati Fassa la très attention. Pourquoi? Parce que Moutounyon soit rouloukakaka à nuire na pouvoir à Fati. Lelo ebele bazo loba, qu'il a échoué, azo kokate, aza boué boué. Vous leur posez la question de savoir sur quel terrain il a échoué. Comment avez-vous jugé qu'il a échoué? Par opé, c'est bien une réponse. Biso toza na réponse, moko ou bango ba loba que tu attribueras ma faute et pas battre. Non. C'est même ça la réalité. Fati est venu au pouvoir dans un contexte très compliqué. Déjà, il a acquis la coalition, le FCC cash, 2 ans. Après les 2 ans, 2019-2021, crise à Covid, lockdown, confinement et coti. 2 ans après, une année et demie après 2 ans, à Ekozwa, le gouvernement y a Samuel Kondé. Durant la période de Covid, pays parmi les pays ont été bien gérés. C'était la RDC. Bon, on a des statistiques. On ne peut pas vous en cacher. La RDC parmi les pays ont été mieux gérés. J'étais en Afrique du Sud, j'ai vu Ndenge, confinement et Zalaki, crise économique et Komaki. Les gens, ils ont commis Boma pour la crise. Mais Bakawana, nous n'avons pas enregistré ça au Congo. Parce que la crise était bien gérée. Bolinga, Bolingate. Fati a bien géré cette crise qu'au Lekana, Afrique du Sud. Il y a eu beaucoup de morts en Afrique du Sud qu'au Congo. Il y a eu beaucoup de morts au Brésil qu'au Congo. Il y a des pays qui ont bien développé et tout. Mais chez nous, on a pu gérer cette crise sans qu'il y ait beaucoup de morts. Après Wana, c'était l'argent qui était engagé pour nous recevoir le vaccin. Parce que vous connaissez tous crise économique, crise y a santé. Oyo to benga ki pandémie à COVID-19, eza ki ba virus o créé pendant bat oyo ba se retrouver bat ya industrie ya pharmacie
bah créer car ceux qui ça bangote vont créer des guerres. Donc il y a deux industries dans Mokili, où ça la mbongo za industrie à santé na industrie et armement. Ces gens ont créé ces virus basali ba vaccin et on devait essayer tous les vaccins. Fati le gouvernement congolais et son ba qui ba vaccin ils sont là. Et puis après ça, on a commencé à koluka kobongisa banzela ko sala boye. Mais en plus de cela, il y a eu aussi des voleurs. Donc ce n'est pas quelque chose à oublier. Il y a eu des voleurs, bamibi bazala ki wana, bayibi pembongo, nyonso wana eza makambo à prendre en compte. Aujourd'hui, toke na ba élection, Fati a eu un deuxième mandat appuyé par l'Union Sacrée. Oyolelo na komi ko benga bango ba profiteurs. Parce que dans l'Union Sacrée, je ne trouve personne, alors personne, qui peut bien aider le président. Parce que bon, on a qui la preuve, en est que pour la sortie du gouvernement, il y a eu de blocages partout. Tout le monde voulait retrouver sa part. Donc, gouvernement, et bien, on a besoin de ministère tel, on a besoin de ministère tel, mais ils ont oublié la part du peuple. Ainsi, alors, le gouvernement enfin est sorti. Mais Tomoni a notre grande surprise, un opposant à côté de la gouvernement, c'était Constant Mutamba, qui aujourd'hui, moi je vais parler de ce gars jusqu'à ce que Nakomone Namabe, mais aussi longtemps que Namone Namabe était beaucoup jugé ngaï Borolemba. Constant Mutamba est venu travailler pour le peuple. Et je crois qu'il va réussir. Tout ce qui est en train de se faire actuellement, Ezali Bitumba Oyo, Ezali Kobunda, avec l'agenda au chef de l'État Pessier, il va combattre Bamiyibi, il va combattre la corruption, il va combattre l'impunité jusqu'à ce que l'état de droit puisse revenir dans ce pays. Alors, nous avons ce devoir de l'accompagner en tant que Congolais. Soto tikiye ba bomie de ba yeko tia ba poison na kati, ba yeko tia ba poison na ba bureau, ba réinitialiser ba caméra pour que ba yeba te kaze bazaki banane. Mais à peine revenu, à Kena prison, a yebi keza ba magistrat moto orchestré biloko wana. Alors, biso ba Congolais, tous à la conscience, Toyeba, qu'est-ce qui va se faire? Le président de la République est dans un sommet, na Chine, sommet Chine-Afrique, il va revenir, va revoir le contrat na biso ya Chine, le contrat sino-congolais, va makambwe belé et kosa le Mali. Il y a encore le contrat ya Banzela signé, mais ce que ngai na ko martelé sur Isaac, gérance ya ba fond wana, ils à l'attribuer na batu le rôle à Constant Mutamba. Trouvez-nous un autre Constant Mutamba na finance, trouvez-nous un autre Constant Mutamba na budget, trouvez-nous un autre Constant Mutamba na construction na Banzela infrastructure. Ce qui bazate et aux alamato. Bande konangai, je dois aller au boulot. C'était ça à mon échange avec vous le matin et ça les micro le belé tout solo laté. Je viens dans votre petit cabane dans la classe. Nazo linga na bongama pour la banda musala. Donc c'est ça au moins. Nzamba pambola bino, restez toujours branché na chaîne Abino et on va continuer à parler, à échanger pour la patrie, pour le Congo de Sangzarabiso. Botika la malam. Enfin, IDPS trêve et salemi. Yabitumba oyo, il fallait salima samedi pour na kobengana monsieur Kabuya oyo atingami alingi kotika. Et bon, le secrétaire général a eu des PSD. Malgré incompétence, malgré Kozanga Kouyeba, malgré mauvaise gestion à partie, bah, reproché, malgré organe OMMTC qui est quitté, malgré Nyon Soana, il est toujours en train de s'entêter à Boyko Kende. Ce qu'on va sentir que pression qui m'a cassé, à qui que recourir pas Maman Marthe. Maman Marthe a bengisi bango. De obizubu na ye kabuya na ba délégation na bango lobby, c'était hier soir ba sololi ba sengi trêve à lobby. L'autorité morale c'est le président Fati Beton. Il faut bazelaye pour azan na voyage soki azongi il saura bien kokata makambo wana. Soto wana lo ba makambo depuis kala muto kokata problème wa ka Fati skoto komo mituna.
Merci, monsieur le journaliste. Comme d'habitude, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni quand il y a besoin. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour examiner certaines questions de l'heure. Et un communiqué a été préparé à cet effet. Et il sera lu par le premier vice-président du bureau du Conseil supérieur de la magistrature en la personne du procureur général près la Cour constitutionnelle. Communiqué officiel du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce mercredi 4 septembre 2024 dans la salle de plénière de la Cour constitutionnelle au sujet de la tentative d'évasion qui a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala et de la note circulaire numéro 008/CAB/ME/MIN/JS/2024 du 2 septembre 2024 signée par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux relative à l'interdiction de transfèrement des détenus préventifs à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo. À ce propos, le bureau note ce qui suit. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception, mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander au magistrat de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les déclarations du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux sont de nature à exposer les magistrats à la vindicte populaire
alors qu'il existe au sein des institutions publiques un cadre de concertation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, lieu indiqué pour traiter des questions transversales relatives à l'administration de la justice. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature invite les magistrats à poursuivre l'accomplissement des tâches de la profession dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République pour l'émergence de l'état de droit en République démocratique du Congo. Par conséquent, ils sont tenus de rester calmes et de respecter en toutes circonstances les règles d'éthique et de déontologie. Le communiqué est signé par le président du Conseil supérieur de la magistrature et tous les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie. Merci, Mingi, ma maman Nabiso, maman Marthe Kassalou, qui s'est dit. Nandenge a sangisbiso na poko alelo. Oto meka ko sololana ba combattant nyonso na ba combattante que mukolo ya samedi le 7 combattant moko ayate que nazoya pona ko riposte na bande ko baloba ke bakwa na permanence famille nyonso ba makambo ezanga kate mais tozana référence na biso moko tata moko za école et puis toko senga bolimbisi ko présenter ba excuse pas tata mo konza ekolo na e pa mama na biso mama Marthe Kassalou na mayonso e uti ko lega puisque comportement na biso wana eza ko frustrer mama na biso eza ko frustrer mo konza mboka puisque biso o role to faut to jouer eza ya ko sala ba proposition ya paix pona ko accompagner politique ya mokonza ekolo ya ngona ko senga ba combattant na ba combattant nyonso mutu ata moko te ezala na ba réseaux sociaux message moko ya incitation ou bien ya provocation ezala te oya yebi ke aza derrière le secrétaire général a ko manifester ngote na ba propos ya provocation na ko senga ba nyonso ba vanda kimia tango mokonzi akozonga mokonzi pe azana kati ya mboka ta azali banda biso tobatela pouvoir ya biso na kanisi message ona yako pesa bino na munoko alingala yango wana.